Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de David W. Griffiths, réalisateur américain. Il a tourné environ 400 films en 5 ans, entre 1908 et 1913. Il a fait évoluer les histoires au cinéma et a fait durer les films beaucoup plus longtemps. En 1919, après Intolérance, il fonde United Artists, avec les comédiens Mary Pickford, Douglas Fairbanks et Charlie Chaplin, pour mieux contrôler leurs droits et leurs films. Il a remarqué comment les cinéastes anglais ont inventé le découpage du temps, de l'espace, dans les films. Son premier film, Griffiths, fait un coup de maître. Les aventures de Dolly va changer la technique de narration du cinéma. Griffiths montre comment on peut créer le temps virtuel au cinéma et alterner les plans. Ce qu'on appellera plus tard le montage alterné. En janvier 1910, il fait partie des premiers réalisateurs à se rendre à Los Angeles, où le climat est beaucoup plus ensoleillé pour les tournages en extérieur. Griffiths est le premier à avoir tourné un film dans le village d'Hollywood, bien avant l'arrivée des studios. Il s'agit de In Hope, California, sorti en mars 1910. Il réalise tous les genres de films, du western à la comédie en passant par les films de gangsters. En 1911, dans le cœur de la misère, il montre un seul plan, un gros plan d'une bougie qui brûle une corde. Ses films les plus connus sont Naissance d'une nation de 1914 et Intolérance de 1916. Aujourd'hui encore, ses méthodes de réalisateur et sa passion pour le cinéma inspirent grands cinéastes et vidéastes. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve pour d'autres aventures sur l'histoire du cinéma français et du reste du monde. Ciao ciao les amis!